Salut. Salut, salut. C'est Greg. C'est Greg et Dimitri. Voilà. Aujourd'hui, mon Dieu, pas on est grand fatigué, chose. on est déjà fatigué, pas grand chose, hein. Bah si. C'est Unboxing. unboxing. On est trop fatigué là. C'est bientôt le week-end. On est déjà quoi, lundi? Ouais. Non, lundi c'était hier. Ah, Mardi. Bah, ah ouais. Mardi, putain, ça passe vite, hein. Bientôt le week-end, hein. Bientôt le week-end, ça c'est. On voit pas le temps passer. Le temps passe et. Et voilà, je me fais des unboxings quoi. Ouais. Bon, du coup, on a un colis à ouvrir, hein. Comme si vous avez vu dans le titre, sûrement. Bah, je suis fatigué, on peut le faire là un peu, non? Ouais, j'ai la flemme de le faire là-bas. Bon, on ouvre ici. Vas-y, on fait ça. C'est un peu compliqué là. Bon, allez. Allez, bah, du coup, c'est parti. Unboxing, on se motive un peu. Voilà, on se motive. Là, il y a. Swiss Post. Il y a un. Eric Warstel, ici. Comment on appelle ça? Un colis. Ouais, colis. Colis, voilà, qui vient d'arriver. Je peux pas l'ouvrir, j'ai la flemme. Bon, allez, t'es allé chercher les ciseaux. Je vais faire le premier cut. Attends. Oh, c'est chiant. Non, mais c'est dur d'ouvrir un colis. Hein. Non, mais juste comme ça, là, ça suffit. Hein. Ok. Ah, bah, nickel, du papier bleu. Pour commencer, un carton bien, bien emballé. Les ciseaux, bon, bah, on va les jeter. Hein. Et puis, du papier bleu. On ouvre en même temps que vous. Voilà. On enlève chacun un morceau de papier bleu. Ah bon, ouais. Il n'y en avait qu'un. Donc là. Là, on voit des cuves déjà dedans qui sont. Qui sont bien quoi, c'est des qui ont l'air bien. Il y a des QR codes aussi. Donc si vous avez envie de flasher les QR codes, allez-y. Donc là, les QR codes c'est vraiment sympa quand même. Et puis voilà. Ça permet de QR coder. Il y a un cube là, je vois un cube qui a deux QR codes. Waouh. Et ça c'est très rare. Donc bah, n'hésitez pas à flasher. Voilà, flasher en masse. Tous ceux qui regardent la vidéo, vous flashez le QR code. Ouais, ouais. Donc là, on les met plus près peut-être. Tac, on fera un zoom au montage. Tu me voilà. Fais ça, hein. Ouais. Puis on va commencer à ouvrir. Donc attends, vas-y, je t'enlève. Vas-y, donc on va enlever le deuxième papier bulle là. Voilà, hop, hop. Voilà, donc on a enlevé ça. Donc là, il y a trois cubes. Il y en a un qui est comme un, ça. Deux, trois. Et trois, waouh. Donc là, il y a trois cubes, donc c'est vraiment bien. Donc on va les ouvrir. Oh là, j'ai trois, tiens. Alors, tout bleu, tiens. Allez, celui-là. Celui-là, on le garde pour après. Celui-là, ouais. Hop, allez. Ok. Ok, donc là. Alors là, oh déjà. Oh. Oh là là. Alors là, je suis super content. Donc ça, c'est. Oh putain, en plus, c'est hyper bonne qualité là. Ah ouais, c'est la, trop bien. La kitchen. Regardez, vous voyez, c'est. Donc là, c'est. Bah, c'est un Yuxin. Regardez la boîte, regardez. C'est un Yuxin, hein. Je sais pas, c'est Yuxin, je crois. Ouais, ça, c'est Yuxin. Ça doit être la version 2 du petit cube qu'ils avaient fait. Moi, je m'en rappelle, j'avais la version 1. Moi aussi, je l'avais pas. Regardez. Mais. Ouais, ça change pas beaucoup, il est juste un tout petit peu plus grand voilà. Et il a un color scheme normal voilà, avec là, des il couleurs du normales. Rose et tout, et il avait rose, orange fluo, vert fluo. Et là maintenant il a du rouge normal. Voilà, donc il est vraiment magnifique. Est-ce que tu peux le tourner un peu? Je sais pas si ça change beaucoup de l'ancien parce que le feeling a l'air pareil. A mon avis, la petite chaîne est meilleure. Et vas-y, bah, je t'essaye de faire des cartes. Oh, il est trop bien. Oh là là. Ouais. En plus, il arrive avec un petit plastique comme ça et une petite notice. Petite notice ici là. Il est tellement bien et tout. En plus, la notice elle est vraiment bien. Tout écrit en chinois donc on comprend ouais, pas donc grand chose. On comprend tout, non mais c'est trop bien en plus on peut apprendre le chinois et tout. Ouais voilà. Oh là là, mais c'est vraiment le meilleur cube donc je pense que si vous avez besoin d'un kitchen, en réalité la chaîne elle est de bonne qualité. Voilà, vous pouvez l'accrocher à la porte-clé et tout. Et y a quoi d'autre comme kitchen qui existe? Il y a un GAN, non? Il y a pas ouais, un GAN? Ouais, je crois qu'il y a un GAN qui est sorti, mais lui il est beaucoup mieux, c'est sûr. À mon avis, ouais voilà, à mon avis les deux meilleurs si vous avez envie de genre de mettre ça sur votre porte-clé, enfin voilà. Je pense que celui-là c'est un des meilleurs parce qu'il est lui doit coûter moins cher aussi. Plus petit, ouais voilà. Les GAN ça doit coûter cher. Ils sont où les autres cubes là? Ils sont juste là. Bon là je pense qu'on est motivé, ouais. On peut le faire normal. Allez. Sur la table? Ouais, sur la table. Allez bon, let's go. On quitte cette ambiance de merde. Ok, donc plus sérieusement, je vais vous parler un peu du site qui m'a envoyé, donc je suis en partenariat avec eux. Mais tout ce que je veux dire, je suis pas obligé de le dire, hein. Donc voilà, c'est juste moi, je trouve le site vraiment ultra bien. Donc ça s'appelle cubeshop.ch, donc c'est un site qui est suisse. Donc en fait, c'est un site, il livrait déjà depuis assez longtemps en Suisse, mais depuis très peu, maintenant, il livre des cubes, du coup, en France, en Belgique, en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas et en Italie. Donc voilà, normalement, quasiment toutes les personnes qui regardaient cette vidéo, vous faites partie d'un de ces pays, donc vous pouvez commander des cubes sur ce site. Sauf si vous habitez à Madagascar. Ou alors au Canada. Dommage pour vous, mais il y a plein d'autres sites, vous inquiétez pas. Voilà. Donc du coup, vu que ce site, ça vient de Suisse, donc c'est proche, donc ça livre très vite. Donc moi, je crois que le colis, je l'ai reçu genre en 3-4 jours maximum, donc c'est vraiment assez rapide pour des cubes.
Et aussi du coup les frais de port ils sont vraiment pas chers vu que ça vient pas loin du coup. Et en plus voilà, pour ceux qui préfèrent les sites européens, bah c'est beaucoup mieux de faire comme ça, de commander sur un site suisse. Donc sur ce site il y a vraiment tous les cubes récents qui sont disponibles. Donc voilà, vous voyez le X-Man Bell Magnetic V2, le Key X-Man Volt Square One V2. Donc vraiment tous les cubes qui viennent de sortir, donc ça c'est très bien. Et je trouve le service après-vente il est vraiment bien, genre ils sont ultra sympas les personnes qui s'occupent du service après-vente. Donc ça c'est un des meilleurs services après-vente que j'ai jamais vu, donc encore un très bon point. Et le point le plus important du site c'est que c'est vraiment pas cher contrairement aux autres sites européens. Et surtout que vous avez un code de réduction de 15% avec le code grec qui s'affiche juste ici, grec vous voyez. Donc sur toutes vos commandes vous aurez 15% de réduction, donc ce qui est vraiment énorme. Donc du coup je vais faire un exemple pour vous montrer à quel point c'est moins cher. Donc comparaison TheCubeHicle et CubeShop.ch. Donc par exemple sur TheCubeHicle si vous voulez commander un GAN 356 iPlay, donc le cube connecté, et bah le cube sur TheCubeHicle coûte 55$. Et les frais de port par contre ils coûtent 22,80$, ce qui est vraiment énorme. Donc ça fait 77,80$. Et même avec un code de réduction de 5%, par exemple JRCuber, ça fait 75,05$. Donc en euros, ça donne 65€. Et donc si on compare avec cubeshop.ch, le cube sur ce site, il coûte 55,90 francs suisses, donc ce qui est plus cher de base. Hyper cher quoi. Par contre, les frais de port coûtent seulement 6 francs suisses 90. Donc ça donne 66,80 francs suisses. Et du coup, ça fait 57 francs suisses 80. Et donc ça donne en euros 62,80 €, ce qui est 12€ moins cher que TheCubeHicle. Ouais. Beaucoup moins cher, vous faites beaucoup d'économies si vous passez sur ce site. Merci Dimitri. Voilà, donc c'est une petite comparaison de prix. Donc tout le lien de ces cubes sont dans la description. Donc oui, du coup, plus sérieusement, ce cube, c'est la version 2, je crois, du Xin Keychain. Hein. Mais en vrai, oui, il est bien. Il fait à peu près la même taille. En vrai, c'est quand même assez gros. Hein. Mais je sais pas s'il est plus gros que l'autre. Mais en tout cas, la chaîne, je pense qu'elle est de meilleure qualité que l'ancien. Ouais, parce que moi, elle s'était cassée et tout. Donc là, je pense que ça a l'air un peu mieux. Voilà, en vrai, il tourne comment? Il tourne bien pour un petit cube. Hein, un peu mieux que la première version, je trouve. Bon, après, ouais, ça change pas hyper beaucoup de la première version. Si vous avez la première version, je sais pas si ça vaut vraiment la peine de prendre celui-là. Ouais, non, mais sauf si vous en savez vraiment, si vous mettez vraiment un porte-clé. Mais en vrai, moi, j'ai jamais mis de porte-clé cube. Si vous en avez pas, je vous le conseille fortement. Hein. Bah, donc je crois que c'est. Bah, de toute façon, ce sera dans la description, mais je crois que c'est un Yuxin. Donc voilà, du coup, on a fini avec ce cube. Maintenant, on va passer au deuxième cube, donc il en reste deux après celui-là. Donc il y a un Megamix et un 2x2. Donc ça, c'est un 2x2, hein, on dirait pas, mais en fait, vu qu'il y a un petit 2, c'est pour ça que c'est un 2x2. On va, donc, on va laisser le meilleur pour la fin. Donc, voilà, à mon avis, celui-là, c'est le meilleur, bah, ça se voit en fait à la boîte. Donc on va ouvrir celui-là. Donc ça, c'est un WayJ Megamix magnétique. Vas-y, je te laisse l'ouvrir. Mais je me suis dit, sur ma chaîne, je ne boxe pas souvent des Megamix, donc ouais, ça change. Et en plus, je crois qu'il est magnétique aussi. Et en plus, t'as vu, il a des. Enfin, genre, le design, il est pas mal. Au lieu d'avoir des espèces de. Je sais pas comment ça s'appelait déjà. J'ai vu sur le X-Man là, ouais. Des. Ouais, enfin, en gros, il y avait des petits trucs en. Des ridges, plus. Non. Ouais, voilà, ça s'appelait des ridges. C'était juste au-dessus de l'arête, il y avait un espèce de truc en plus de plastique pour pouvoir mieux tourner. Et bah là, c'est avec un beau design. Ouais. C'est à peu près pareil, mais avec un. À mon avis, ça va permettre de bien gripper aussi, je pense ça. Oui, oui, voilà, ça doit être pareil, permettre de bien gripper. Voilà. Donc, voilà le cube avec un color schéma normal, je pense. Je connais pas trop les corner shape de Megamix. Bon, je pense que ça me paraît normal. Hein. Ok, donc bah, Grégoire va faire les premiers termes. Oh, il a l'air très rapide. Attends, il est bien magnétique. Donc il est magnétique. En vrai, alors il est pas lubé, hein, il est sec. Bah c'est normal, c'est un WayJ, c'est un cube. Les WayJ, voilà, ils ont l'habitude de donner leur cube vraiment genre dès qu'ils sont assemblés, ils font plus rien avec. Bah tu veux le tester? Bah vas-y, bon moi après je m'y connais pas trop. Oh, bah déjà dès que j'ai pris le cube. Ah ouais, en fait il est super rapide hein. Ouais, essaye de faire les tournois, il est très rapide hein. Moi je sais que mes Megamix sont pas aussi rapides que ça. Ouais, mais même moi je pense. Et puis en vrai à mon avis il faudra peut-être s'habituer parce que regardez, quand je prends là, moi j'avais plus l'habitude d'aller ici au-dessus de l'arête, donc du coup ça. Mais là il faudra que je prenne un peu plus bas quoi. Voilà, ouais, c'est ça. Je pense que ça change pas beaucoup. Donc en vrai, moi je trouve que c'est le meilleur Megamix. Oui, il est super bien en vrai. Il coûte pas très cher en plus. Bah vous allez dans la description et vous voyez. Hein. Oui. Je pense que je le mettrai là, hop. Le prix. Voilà. Ah ouais, c'est pas cher. Ouais, franchement c'est pas mal. Donc je pense que je vous le conseille vraiment. Je viens de regarder le prix qu'il y avait en bas de l'écran là et je trouve. Voilà. Donc je pense que comme premier Megamix c'est parfait. Bah ouais, non mais même comme main hein, carrément. Bah ouais, en vrai. Après, je connais pas trop les nouveaux Megamix qui sont sortis, peut-être il y en a des mieux, mais. Bah vraiment. Ça fait longtemps que je n'ai pas testé de. On a pas le GAN par exemple. De nouveaux Megamix, ouais, voilà. Enfin, comme le GAN. Et après, du coup, peut-être essayer le corner cutting. Corner cutting, allez. Même si sur les. Oh ouais. Ah bah il passe quasiment partout. Ah ouais, mais ça c'est impressionnant. À tes souhaits. Donc n'oubliez pas, coronavirus, n'oubliez pas de prendre toujours vos mouchoirs avec vous. Voilà, là Grégoire il se mouche parce qu'il a éternué parce qu'il a le corona. Donc c'est parti là, je vais tenter de mettre le paper toast avec le mouchoir que je viens d'utiliser. Aïe. Retour à la vidéo. Ok, donc c'est parti. Donc là, le Megamix, très très bonne surprise, je trouve. Ouais, en vrai, voilà. Ces deux cubes sont déjà pas mal. Et donc maintenant, il nous reste le cube majeur de la vidéo, je trouve. C'est MGC2 Elite. 2x2, voilà, magnétique. Donc je vous dirai après la spécificité de ce cube qui se démarque de tous les autres 2x2.
C'est le premier 2x2 qui a cette particularité. Donc c'est parti, on va l'ouvrir. Et en plus, regardez la boîte, très originale. On dirait, quand on regarde par exemple ici, on dirait que c'est une boîte normale, mais en fait, il y a un petit côté comme un peu coupé. Voilà. Très design, voilà, très beau. Original, on va dire, même si ça sert à rien. Si vous voulez mettre dans votre salon, bah voilà. Voilà, très belle objet de déco. Donc du coup, il y a du plastique autour. Hein. Donc si tu veux enlever le plastique, peut-être, comme tu veux. Au pire, on va essayer une règle, parce que je sais plus où c'est mes ciseaux. Vas-y. Ouais, voilà, nickel, ça c'est hyper pratique du coup pour l'ouvrir. Ouais, je vous conseille beaucoup la règle Maped. Maped, voilà, comme ça 15 cm. Moi je l'avais aussi, elle était super bien. Je en plus, regardez, il y a un petit grip ici, donc comme ça évite de bouger sur le papier. Ouais, donc c'est vraiment ultra pratique. Que... Et si on en revient au cube, en fait, moi je disais que c'était pratique la règle. Enfin, je disais pas que c'était la règle qui était pratique, je disais que c'était ça, comme ça on peut mettre un coup là-dedans et ça part. Ouais, ça coupe, c'est ultra simple, c'est limite plus simple que des ciseaux quoi. À tous les petits youtubeurs qui regardent cette vidéo, à partir de maintenant, tous vos colis vous les ouvrez avec la règle, ok. C'est le défi avec Greg Speedcubing. Et donc maintenant, regardez, ici aussi c'est plus simple du coup pour enlever ça. Ah. Je pense qu'il y a la pression de l'air. Ah ouais, wow. Ok, donc ça, ça c'est maintenant, c'est devenu les boîtes un peu YJ ou Moyu, elles sont toutes comme ça. YJ, normalement, c'est vraiment. Ouais, c'est vrai, normalement, YJ, ils donnent juste un cube dans une boîte en papier. À l'époque, hein, YJ, je sais plus quoi. Je m'en rappelle plus des noms, mais c'était. Mais après, voilà, maintenant, Moyu, ils donnent tout le temps, genre, leur cube et à côté, un petit. Voilà. On s'en rappelle de la dernière vidéo, on avait celui-là. Et maintenant, c'est celui-là, vous voyez, c'est la même taille. Voilà. Mais ça c'était Mofang Jiaoshi. Là, c'est YJ, c'est différent. Oui, voilà, mais c'est quasiment pareil, c'est la même marque. Ouais, c'est ça, c'est Moyu les deux. Donc, c'est parti, on va voir ce qu'il y a dedans. Oh. Oh. Oh, on l'avait pas celui-là. Première fois que j'ai ce tournevis. En plus, il a l'air mieux parce que du coup, on peut appliquer la force de plus loin. Je sais plus comment il s'appelle. Vas-y, tu peux le mettre. Des ressorts de rechange, ça c'est. Et des manettes aussi de rechange. Ah ouais, ouais. Ah bah pas mal. Et les ressorts de rechange, on précise jamais assez, mais c'est le truc qu'il y a dans tous les cubes, mais qu'on se sert jamais. Ouais, à chaque fois on dit ah super, il y a des ressorts, mais en fait jamais utilisé. Si vous avez déjà changé les ressorts sur un cube, n'hésitez pas à le dire en commentaire parce que. Et donc là, la fameuse notice. Éclatée au sol. On va la déchirer comme d'habitude. Bah vas-y. On déchire ça ou pas? Est-ce que vous voulez déchirer ça? Si vous voulez que dans la prochaine vidéo on déchire ça, mettez hashtag je veux déchirer ça en commentaire. Si vous mettez pas la cédille, on comptera pas ça comme. Et si vous avez fait le défi Greg Speedcubing, vous coupez tout avec la règle, et dans votre vidéo vous mettez hashtag Greg Speedcubing dans le titre. Ouais, et on vous fera gagner quelque chose de très spécial. Et donc du coup, on va utiliser la règle. Hein. On rappelle interdiction aux ciseaux. Nous on a utilisé les ceiseaux pour ouvrir, mais c'est parce qu'on était fatigué. Maintenant on est plus fatigué. Donc là, Grégoire qui galère. Moi je pense que tu devrais plus faire. Vas-y, fais. Hein. Oh, voilà. C'est tellement bien. Et si vous utilisez une règle qui n'est pas une règle Maped, à mon avis, on n'aimera pas trop. Mais en vrai, si vous avez cette règle, c'est vraiment bonus x15. Hein. Allez, go. Donc du coup, la particularité, je crois, c'est que les aimants sont au centre. Ils sont pas placés comme d'habitude dans le 2x2. Et ça, du coup, voilà. Moi, je suis curieux de savoir comment ça fonctionne, du coup. Donc on va tourner. Ah, est-ce qu'ils seraient pas là-dedans, en fait, les aimants? Non. Je sais pas. Exactement. Ils sont dans les petites arêtes au milieu. Donc j'ai fait les premiers turns. Vas-y, tourne-le. C'est un 2x2 classique, quoi. Il fait pas beaucoup de bruit. Ouais. Il est différent que le MGC normal. Tu sais, je crois que tu l'as, le MGC. Ouais, je l'ai. Mais le MGC, il fait beaucoup de bruit. Alors que celui-là, voilà. Ah, il est pas mal. C'est MGC Elite. Bon, non, bien sûr, vu qu'il y a Elite derrière, ça veut dire que. C'est pour l'élite. Et aussi, ça veut dire qu'il est meilleur que le pas Elite. Voilà. Donc il fait 50 mm, hein. Donc c'est la taille standard. Et aussi, moi j'avais jamais vu ce logo, là, le logo sur le blanc. Ouais, c'est le nouveau logo MGC, j'ai un 3x3 où il y a aussi le MGC 3 Elite justement. Ah ouais? Où il y a ça. Ça se trouve, c'est le logo Elite. Ok, donc en vrai, non, je trouve vraiment bien. Ouais, mais du coup, je comprends pas trop c'est quoi sa particularité pour les aimants. Ça se voit pas au premier coup d'œil, en fait, je sais pas si c'est vraiment nécessaire de faire quelque chose comme ça. On va tester le corner cutting un peu. Bah, à mon avis, il doit être impeccable. Excellent. Ah ouais, excellent corner cutting. Parfait. Bah, après aussi, les 2x2 de nos jours, ils sont quasiment tous parfaits en fait. Trouver un 2x2 qui est pas bon et qui vient de sortir, c'est vraiment rare. Ouais. Parce que moi, je me rappelle même en 2018 par exemple, je disais, ouais, les 2x2, ils sont quasiment tous pareils, ils sont tous bien et tout. Ouais, bientôt ça va être 3x3, maintenant presque, hein, avec les GAN et tout. Ouais, c'est vrai. Bientôt les 3x3 vont être tous bien. Les 4x4, je pense pas encore. Même les GAN, il y en a quand même qui sont moins bien quand ils sont usés. Donc, Ouais, c'est vrai. Mais 2x2, en tout cas, là, c'est juste une question après, de goût. Les 2x2, oui, ça sert à rien d'en acheter des tonnes parce qu'ils sont tous bien en fait. Donc là, ce 2x2, du coup, c'est plutôt une question de goût en fait. Je vous conseille plutôt, si vous voulez un cube assez silencieux, pas autant que le Diane quand même, mais assez silencieux et très stable en vrai. Il est vraiment très stable. Ouais, il est super stable. Après, vous voyez, le Diane, je me rappelais plus, mais le Diane il était très rapide. Celui-là, il est peut-être un peu moins rapide que le Diane, mais il est quand même impeccable. Hein. Enfin, après, vous aurez jamais, à mon avis, c'est quasiment impossible d'avoir des lock-up. Il y a tellement un bon corner cutting que. C'est un bon produit quoi. Ouais, il est pas mal. Enfin, il est pas mal. Quand je dis qu'il est pas mal, en fait, ça veut dire qu'il est très bien. Bon, voilà. Bon voilà, alors du coup merci ça va être la fin de cet unboxing. Merci encore à CubeShop de m'avoir envoyé les cubes. Donc vous trouvez tous les cubes dans la description bien sûr.
Et voilà, achetez tous vos cubes sur CubeShop, vraiment. Comme voilà, je l'ai dit, si vous habitez dans les pays qu'on a dit, n'hésitez surtout pas. Voilà, c'est vraiment le meilleur site pour moi, c'est vraiment incroyable ce site. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Donc si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un commentaire et de mettre un like. Allez, salut. Allez, salut.